frères et mes sœurs en Christ. Aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques. Malheureusement, la plupart des bâtiments des églises sont vides à cause de la pandémie. Mais heureusement, le tombeau est vide aussi. Jésus-Christ est ressuscité. Le Seigneur a placé sur mon cœur un message un peu troublant. C'est un message de joie et d'espérance. Mais j'ai une question à vous poser qui est un peu troublante. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, le Seigneur s'adressait à différentes églises. Au chapitre 2 et 3, 7 églises sont mentionnées. Beaucoup d'étudiants de la Bible croient que ces 7 églises sont symboliques et représentent surtout les églises qui existeront à la fin des temps. Je dois admettre que quand j'étudie ces différentes églises et les problèmes qui existaient, je me rends compte qu'on voit cela dans le monde, dans les églises partout dans le monde. Malheureusement, il n'y avait que 2 églises sur les 7 qui étaient en règle avec Dieu. Et dans l'Apocalypse 3, nous lisons « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. » C'est une église appelée à la repentance. « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Je voudrais souligner cette phrase. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ce verset indique qu'apparemment, notre nom peut effacer du livre de vie. C'est au chapitre 20 que la Bible parle de ce livre de vie. À partir du verset 11, le jugement dernier est expliqué. Enfin, c'est ce que Jean a vu en vision. Il a écrit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert,
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce qui est troublant dans la Bible, c'est ce que le Christ a dit dans Matthieu 7, ce que nous venons de lire. Tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas sauvés. Tous n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie au jour du jugement. Il n'y aura que les gens qui sont devenus de vrais disciples du Christ et qui ont persévéré jusqu'au bout, persévérant dans la prière, persévérant dans la parole du Seigneur, persévérant dans le travail pour le Seigneur, dépendant à 100% humblement du Seigneur. C'est lui notre salut. C'est lui notre rédemption. C'est lui notre sanctification. C'est lui notre force. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je vous pose cette question sérieuse. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Parce que vous êtes devenu un vrai disciple. Parce que votre vie a été transformée, changée à fond. Est-ce que votre nom restera dans le livre de vie? Parce que vous avez décidé de persévérer jusqu'au bout. Parce que vous avez décidé de garder une bonne conscience, restant éloigné du mal. Nous devons veiller sur nos pensées continuellement, sur nos paroles, sur nos actions et nos réactions. Et nous avons besoin de demander l'aide du Seigneur chaque jour pour réussir. Heureusement que le Seigneur est là, le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Oh, il est mort volontairement pour chacun de nous, pour nos fautes. Lui qui était sans péché, il s'est donné volontairement. Il est mort volontairement à notre place. Oui, lui qui était sans péché est mort pour les pécheurs. Parce que sans son sacrifice volontaire, aucun homme ne pourrait saisir la vie éternelle. Aucun homme ne pourrait être pardonné ou réconcilié avec Dieu le Père. Le troisième jour, Dieu a ressuscité son Fils, démontrant au monde entier qu'il a accepté son sacrifice pour nous. Et tous ceux qui croient seront acceptés par Dieu le Père, justifiés, rendus justes par la foi en Christ, juste comme si on n'avait jamais péché. Lisons dans Jean 10. Le Seigneur a dit avant sa crucifixion, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur s'est donné volontairement. Il savait qu'il devait mourir sur la croix. Et il a dit aussi dans ce même chapitre, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ est venu pour que tous les hommes aient la possibilité d'être pardonnés, réconciliés avec Dieu, que tous aient la possibilité de saisir la vie éternelle. La plupart des gens ne comprennent pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais tous les hommes seront condamnés, à moins qu'ils deviennent de vrais disciples du Christ, permettant que le Christ les transforme âme, corps, esprit. La vie éternelle, c'est avoir l'Esprit du Christ en nous. C'est être conduit par son Esprit, avant de devenir de vrais disciples, suivant véritablement le Christ. Personne ne sera sauvé. Ce qui est troublant quand on lit l'Apocalypse 2 et 3, cette église, il n'y a que deux de ces sept églises qui sont en règle avec Dieu. Le Christ appelle les autres à la repentance. À Sardes, il n'y avait que quelques hommes qui était en règle. Et le Seigneur a dit qu'ils auraient la vie éternelle parce qu'ils avaient vécu, ils vivaient de manière digne. Sommes-nous de vrais disciples? Sommes-nous en train de vivre de manière digne pour le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire, digne de vivre de manière digne? Dans Matthieu, au chapitre 3, nous voyons Jean-Baptiste qui prépare le chemin pour le Seigneur. Il prêche la repentance. Il baptise avec le baptême de repentance. Mais la Bible dit dans Matthieu 3, au verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père,
Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il parlait de Jésus-Christ. Mais quand il voyait venir à son baptême des pharisiens, des sadducéens, il a dit, race de vipère. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que c'était des gens qui se croyaient justes, qui se confiaient dans leur propre justice. Les sadducéens, eux, ils étaient carrément dans la fausse doctrine. Ils ne croyaient même pas à la résurrection. Les pharisiens, ils suivaient la loi et beaucoup de choses. Mais quand nous lisons dans les évangiles, nous constatons que dans beaucoup de domaines, ils étaient hypocrites et très éloignés du vrai Dieu, en dépit de leur attachement à la loi de Moïse. Vous savez, la Bible nous dit, Pierre a dit, dans 3 Pierre au verset 21, que ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. Ce qui sauve, c'est l'engagement de notre baptême. L'engagement du baptême, c'est de garder une bonne conscience. En restant loin du péché, avec l'aide du Seigneur, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous devons être le plus possible comme le Seigneur dans notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Dans Matthieu 10, au verset 37, Jésus-Christ a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Être digne du Seigneur, c'est de le mettre à la première place. C'est de chercher sa volonté et non pas notre volonté. C'est d'accomplir ses ambitions et non pas nos ambitions. Il n'y aura que les gens dignes qui seront sauvés, qui auront leur nom écrit dans le livre de vie au jour du jugement. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 27, Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Paul comprenait l'importance de garder une bonne conscience, restant loin de tout péché. Et il traitait durement son corps. Vous savez, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est la chair, les désirs de la chair.
Et pour être sauvé, Galates chapitre 5, verset 23 nous dit, pour appartenir au Christ, réellement, pour être sauvé, pour être pardonné, pour saisir la vie éternelle, nous devons crucifier la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Ceux qui appartiennent réellement au Christ crucifient la chair. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Christ pour accomplir cela. Dans Galates, au chapitre 5, Paul souligne l'importance de recevoir l'Esprit du Christ. Selon le Christ lui-même, dans Jean 14, verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Nous devons aimer les commandements du Christ et les mettre en pratique afin de recevoir véritablement son esprit. Et alors nous devons nous laisser conduire par son esprit, loin des influences mondaines, loin de tout ce qui est maléfique. Et nous devons nous laisser conduire pour accomplir la volonté du Seigneur. Malheureusement, trop souvent, nous permettons à la chair de dominer sur nous. Et ça ne marchera pas. Nous ne serons pas sauvés, à moins que nous faisons crucifier la chair et que nous acceptions de marcher selon son esprit. Au verset 19 dans Galates 5, nous lisons les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté au niveau de la chair ou au niveau des pensées, la dissolution. Le mot se réfère à toute espèce d'impureté qui est liée aussi à l'amour de l'argent, à la cupidité. L'idolâtrie, la magie, tout ce qui est dans le contexte de l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Même si on passe par les eaux du baptême, si on prie, si on fréquente une église, si nous ne permettons pas au Seigneur de nous délivrer de ces choses, par son esprit, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas acceptés dans le royaume de Dieu. Notre nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Mais nous disons que si nous laissons toute la place à l'Esprit Saint, tout peut changer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Jésus-Christ libère du pouvoir de l'esclavage du péché. Si nous prions assez, si nous demandons son aide, si nous persévérons dans sa parole, nous serons libérés. Le verset 24 que j'ai mentionné tout à l'heure dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit.
plus on lit la Bible, plus nous serons fortifiés pour résister à la tentation. Plus que nous prierons, plus nous serons forts pour vaincre les attaques de l'adversaire. Les disciples dormaient le soir, juste avant la crucifixion. Ils dormaient au lieu de prier. Jésus voulait qu'ils veillent et qu'ils prient avec lui. Mais ils se sont mis à dormir. Deux fois, il les a réveillés en disant, mais veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est indispensable de demander l'aide du Seigneur chaque jour pour réussir la vie chrétienne. Paul comprenait qu'il avait des choses à faire lui-même. Il traitait durement son corps. Nous voyons que nous devons veiller sur nous-mêmes pour éviter toutes les mauvaises œuvres de la chair qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons faire attention de ne pas être comme les églises dans l'Apocalypse 2 et 3, en tout cas 5 et 7. Le Seigneur allait permettre que ces églises soient fermées. Les membres ne seraient pas sauvés, à moins de se repentir. Quels étaient les problèmes dans ces églises? Ce sont les mêmes problèmes que nous voyons de plus en plus dans le monde. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Paul a prophétisé que, avant le retour du Christ, l'Église, d'une manière générale dans le monde, tomberait dans un état d'apostasie, ne suivant plus ce qui est dans le Nouveau Testament, l'enseignement des apôtres et du Christ. Déjà, si les églises mentionnées dans l'Apocalypse sont symboliques des églises dans les derniers temps, nous voyons les mêmes choses. Il y avait dans une de ces églises des gens qui permettaient à une femme d'enseigner, une fausse prophétesse, qui enseignait que les croyants pouvaient manger des choses offertes, sacrifiées aux idoles. Ils pouvaient commettre l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, de plus en plus, des milliers de fausses églises enseignent les mêmes choses. Ils sont idolâtres. Ils se fichent complètement de ce que la Bible enseigne contre l'immoralité, contre l'homosexualité, contre le lesbianisme. Nous avons même des unions d'églises où la personne responsable est un homosexuel ou un lesbien, une lesbienne. C'est inimaginable. Mais la Bible l'avait prophétisé. Et c'est ce qui se passe. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons combattre pour garder la foi, la saine doctrine. Nous devons faire attention de ne pas faire partie des faux chrétiens dans les derniers temps. Paul a mis Timothée en garde dans 2 Timothée. Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, ne pensant pas aux autres, n'ayant aucune compassion pour les autres, amis de l'argent. Combien de faux prédicateurs qui ne connaissent pas Dieu du tout, se servent même de faux miracles pour gagner de l'argent. Et souvent, ils sont fanfarons
hautain. Il y a même des gens qui parlent de Dieu tout en étant blasphémateurs. Beaucoup sont rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Malheureusement, dans les derniers temps, la majorité des gens se disant chrétiens ne vont pas s'éloigner de ce qu'il faut. Au chapitre 4, toujours dans 2 Timothée, nous lisons « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon nos propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il y a beaucoup de gens qui prêchent des fables, qui prêchent de fausses doctrines, qui prêchent faussement qu'on n'a même pas besoin d'abandonner le péché. Ce n'est pas grave. Il y a même certains qui disent que le péché n'existe pas et d'autres qui changent les traductions de la Bible en levant même le mot « repentance ». La repentance signifie beaucoup plus qu'un simple changement d'attitude. C'est un changement de mentalité totale. C'est un changement de vie totale. On doit changer et devenir comme le Christ. On ne peut plus vivre pour soi-même. Et ce Dieu chrétien, selon 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, Paul a dit que le vrai chrétien ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et il dit que nous sommes tous appelés à un ministère, le ministère de la réconciliation. Nous devons dire au monde entier, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous devons surtout souligner le fait que cette réconciliation est possible grâce à Jésus-Christ. Lui qui ne connaissait pas le péché, il était sans péché. Mais il a accepté nos péchés. Il est devenu péché en quelque sorte. Sur la croix, il a pris notre place. Il a souffert pour nos fautes. Lui qui n'avait pas de faute. Et en versant son sang innocent, il nous a procuré la possibilité d'être pardonnés, réconciliés. Il nous a donné la possibilité de saisir la vie éternelle en devenant de vrais disciples. Jésus-Christ est notre seul espoir.
En fait, tout ce que j'ai mentionné, ce que nous devons changer dans notre vie, dans notre manière de penser, parler, agir, réagir. Tout ce que nous devons abandonner comme péché, c'est uniquement avec l'aide du Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 2, nous lisons au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Personne ne mérite le ciel. Tous seront envoyés en enfer, à moins de croire en Christ. » Mais c'est une grâce de saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Nous ne méritons pas cela. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Même la foi est un don. Il a donné à tout homme une mesure de foi. Il a placé en nous la pensée de l'éternité. Mais le verset continue en disant, cette foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut ne peut pas être saisi par nos bonnes œuvres. Dieu désire que nous ayons de bonnes œuvres. Et nous devons les accomplir pour rester dans sa grâce. Mais ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est son sacrifice sur la croix. C'est sa résurrection pour notre justification. Et en plus, c'est sa relation avec nous. Ce n'est pas assez de croire avec la tête. Nous devons entrer dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le reste dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, il faut qu'il y ait de bonnes œuvres dans la vie d'un vrai chrétien. Dieu a un plan pour chacun de nous et nous devons se conduire par l'Esprit pour accomplir ce plan. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Ça nous garde quand même en sécurité en Christ. Et c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus-Christ qui nous transforme. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Et chaque jour, nous dépendons de Jésus-Christ. Nous devons marcher humblement avec lui. Nous devons, oui, choisir de haïr le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La Bible nous dit dans les Proverbes. Mais Jésus est la clé. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, peut-être que vous n'avez jamais demandé à ce que Jésus-Christ devienne votre Seigneur, votre Sauveur. Peut-être que vous êtes croyant depuis des années, mais vous n'avez jamais vraiment permis que Jésus-Christ vous transforme, qu'il vous délivre de l'esclavage du péché. Et vous n'avez pas fait le nécessaire pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Mes amis, Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Tout pouvoir est entre ses mains. La Bible dit qu'il intercède auprès du Père pour nous. Mais nous devons prier comme il a enseigné. Nous devons demander son aide chaque jour pour être plus que vainqueurs. Jésus-Christ peut nous rendre plus que vainqueurs. Mais c'est à nous de croire. C'est à nous de faire les pas nécessaires. Si vous m'écoutez et vous n'avez pas une relation réelle et profonde avec le Christ, je vous encourage
à utiliser votre foi aujourd'hui. Je vous encourage à prier. Si vous ne savez pas comment prier, répétez une prière après moi. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je suis pécheur comme tous les hommes. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu changes ma vie entièrement. Je proclame ma foi en Jésus-Christ, ton Fils unique. Je crois qu'il est mort volontairement pour mes péchés et que tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité le troisième jour. Je désire être réconcilié avec toi, Père. Je désire devenir un vrai disciple du Christ. Pardonne-moi de tout péché. Délivre-moi de tout péché. Donne-moi la force de persévérer jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié avec foi, votre nom vient d'être écrit dans le livre de vie. Oui, je suis convaincu d'après ce que Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse 3, que c'est possible que notre nom soit effacé. Tout dépend de nous, de notre persévérance. Nous devons persévérer dans la parole du Christ. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons être en contact avec d'autres croyants qui sont attachés pleinement à la sainte doctrine. Nous devons nous éloigner des faux chrétiens, des fausses églises qui ne suivent pas la sainte doctrine. Nous devons combattre pour la foi qui est livrée au sein une fois pour toutes, Jude a dit. C'est un combat personnel contre la chair et le péché. C'est un combat contre tout ce qui est faux dans le monde. Mais si nous dépendons humblement du Christ, si nous demandons son aide, il nous rendra plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais terminer en priant pour chacun de vous. Père Céleste, tu connais les problèmes qui troublent le monde entier aujourd'hui par cette pandémie. Mais Seigneur, ce qui est plus important, c'est le côté spirituel de tout cela. Tu nous rappelles par les catastrophes, par les pestes, que nous allons tous mourir. Et nous allons tous être jugés, mais tous seront condamnés, à moins de devenir de vrais disciples du Christ. Seigneur, aide-nous tous à être de vrais disciples, à persévérer. Aide-nous à proclamer la vérité de l'Évangile. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté. Et donne-nous la pleine puissance du Saint-Esprit pour accomplir ta volonté. Seigneur, étant donné que le monde soit touché par cette pandémie, avec tous les morts, avec tous les malades, Seigneur, fais grâce. Je te demande au nom de Jésus-Christ d'arrêter ce virus. Je te demande, Seigneur, de te manifester à tous. Seigneur, que les gens soient poussés à penser à ce qui compte réellement. La vie est courte. L'éternité sera sans fin. Seigneur Jésus, tu es notre seul espoir. Nous savons, Père, que tu désires que tous arrivent à la repentance.
tu uses de patience. Donc fais grâce que beaucoup de gens soient sauvés. Qu'il y ait un réveil spirituel dans le monde entier grâce à cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux. Fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi.